Bonjour à tous, c'est Bi61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 0, donc pour le chapitre 12. Je vous rappelle un petit topo de la dernière fois, après avoir fait une petite quête secondaire, on devait sauver la fille d'une maman qui était désemparée parce que sa fille avait rejoint une secte qui faisait du lavage de cerveau et puis qui voulait l'arnaquer tout ça. Donc on l'a sauvée et après du coup on a continué notre quête puisque je vous rappelle que la mission de Majima est de tuer un certain Makoto Makimura, mais pour ça avant de le tuer il faut enquêter sur lui pour trouver où il est. Et donc c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente en allant donc dans un club téléphonique parce qu'apparemment il gère un réseau de prostitution et les filles qui se prostituent en fait passent par les clubs téléphoniques, donc c'est ce qu'on a fait. On est tombé sur une certaine Ako-chan avec qui on a discuté au téléphone et on a eu suffisamment d'infos de sa part pour comprendre que elle est liée de près ou de loin à Makimura. Et du coup là notre objectif ça va être de la rencontrer au Iwao Bridge en vrai. Donc c'est parti, j'ai trouvé une fille qui dit connaître Makoto Makimura et on doit se rencontrer sur Iwao Bridge. Je devrais me dépêcher, une fois là-bas elle me reconnaîtra. Donc c'est parti, on y va. Alors je regarde la thune que j'ai, je vais peut-être la dépenser parce que j'ai quand même encore une fois un peu peur de tomber sur Mr. Checkdown. Qu'on aura l'occasion de lui casser la gueule mais quand je serai un peu plus équipé entre guillemets. Que je me fasse pas violer comme une merde quoi. Ah, c'est trop cher, voilà c'est pareil. Bon, on va faire ça. Hop. Et ensuite, ça aussi. Donc ça en fait il chope l'arme et du coup la récupère de l'ennemi en lui cassant la gueule. Ça c'est sympa comme truc. Après ça marche que pour les armes légères, ça dépend des armes, forcément. Et certaines armes, quoi que tu fasses, ça marche pas. Alors il y a un petit chien qui se balade, c'est assez sympa. C'est assez rare, hein, puisqu'en général dans les Yakuza, c'est surtout des PNJ humains entre guillemets, mais là il y a un petit chien, c'est cool. Un peu plus de diversité dans les PNJ. Donc du coup allons au Iwao Bridge et puis on va voir du coup comment on va obtenir des infos. Ah bah tiens, en parlant du loup, est-ce que j'essaye de lui casser la gueule? Après tout je suis équipé en soins. Je vais tenter ma chance, je suis pas sûr de réussir mais je vais tenter. Bon ouais. Évidemment c'est la première fois qu'on le rencontre avec Majima, du coup il y a un petit dialogue. Donc hé, toi avec ton cache-œil, hein, donne-moi ton argent. Quoi? T'essayes de me racketter. Je crois que je commence à devenir trop connu dans le coin. Du coup, forcément, ça attire les envieux, quoi. T'es connu? Est-ce que je peux avoir un autographe? écris mon nom aussi, Naoya Kawashi. Je suis médecin, excellent. Donc tu veux en gros des autographes de mecs que t'as jamais entendu parler quoi. Te fous pas de ma gueule, tu me connais pas non plus. J'ai un groupe qui est composé de 25 000 hommes super forts quoi. Donc tu ferais mieux de me montrer un peu de respect. Cool ton histoire mec, si c'est vrai, ton petit gang pourrait rivaliser avec le clan Tojo en taille. Mais j'achète pas. En gros, j'y crois pas. Quoi. Je ne mens pas, on a vraiment une vraie réputation. D'accord, si tu le dis. Alors pourquoi tu es ici par toi-même? Où sont en gros les 24 999 autres personnes? je suis un loup solitaire, c'est tout. Un loup solitaire avec 25 000 amis. comment tu peux te sentir aussi seul, entre guillemets? C'est quoi toutes ces questions? Je suis dans la ville juste pour m'amuser et j'ai besoin de thunes pour ça, tu comprends? Quoi? Tu n'as pas ramené d'argent? Pourquoi faire ça alors qu'il y en a plein ici? Donc du coup, t'es comme un gamin qui vient dans une ville pour passer du bon temps et tu bats des gens pour récupérer leur argent, quoi. Enfin pour utiliser leur argent. Tu t'es trompé de ville en gros. Ta petite escapade, on va dire, à Sotenbury est terminée. Tu ne veux pas me donner ton argent sans me battre? C'est bon pour moi. Allez.
Bon, je vais essayer de gérer le combat, ça va pas être simple. Avec la batte de Bezo, ça aide beaucoup dans les premières phases. Et c'est pas pour autant que c'est facile non plus. Je vais me re-soigner. Là, faut pas, encore une fois, faut toujours se soigner. Toujours être full vie parce que le moindre coup, il fait un enchaînement, t'es mort. Allez, mange-toi ça. Boum. Voilà, nice. Je vais essayer de l'enchaîner au sol. Faut bien vérifier. Ah putain, merde, je pensais pas être coincé par la foule. Faut vraiment faire gaffe à ses patterns. C'est pour ça que j'attaque pas direct comme un connard, parce que lui peut contre-attaquer et te la mettre mal. Donc faut attaquer judicieusement en fait. Faut bien regarder ses patterns au niveau de ses. Comment il se déplace, quel type d'attaque il va te faire, s'il te rentre dedans, s'il va faire deux enchaînements, etc. Comme là, vous voyez, là il m'a rentré dedans. J'ai beau avoir esquivé sur le côté. Putain, dis vite, relève-toi avant qu'il te remette un coup de pied. Hop, petit soin. C'est très tendu ces combats. Hein. Et là encore, c'est le premier, donc c'est techniquement plus simple. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que des gens vont croiser plusieurs différents. Et c'est que à chaque fois qu'on les affronte, ils sont de plus en plus forts, ils ont plus de vie, etc. Donc là, si c'est difficile, vous doutez bien qu'après ça va être encore plus dur. Bon, forcément, on optimise notre perso, donc ça va aider, bien sûr. Mais c'est pas magique non plus, quoi. Donc là il se vénère là, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il me rentre dedans? Vas-y, pose. Allez. Allez, t'es presque bon. Nice, c'est bon. Nickel, il va me donner combien du coup en tout? Nice, 12 millions du coup. Bon, il m'a pris, j'ai pris 5 750 000, mais en l'affrontant en plus, j'ai gagné des trucs. Et j'ai même gagné un CP pour avoir atteint 50 millions de yens de gain. Wow, je m'attendais pas à ça. Tu es plutôt fort. Sans blague, Sherlock. Tu ferais mieux de faire attention quand tu veux t'attaquer à des victimes la prochaine fois. Hein? Yes, en gros, t'as pas compris que j'allais revenir, enfin que c'était pas la dernière fois et tu seras mort. Enfin, tu serais mort. Attends. Non, en gros, tu as pas remarqué que je m'étais retenu cette fois-là, mais sinon, tu serais mort. Si c'est ça. Sérieusement, si tu meurs, je ne pourrai plus te racketter plus tard. Donc, je dois m'assurer que tu es toujours en vie. C'est vrai que dans de ce côté-là, ça paraît logique. Ouais, donc te retiens pas la prochaine fois, on verra si le résultat est différent. Bien, j'en ai fini pour aujourd'hui, je n'ai plus d'argent en gros, donc il n'y a plus rien à faire ici. Je retourne à la maison. Voilà. Donc en gros, bon voilà, c'est un peu un abruti, mais il est fort, donc je ferais mieux de faire attention si je retombe sur lui. Et du coup, en fait, les premiers Mr. Checkdown, je sais plus combien il y en a en tout, ça fait aussi office de quête. Donc quand on termine ces quêtes-là, bah, on complète aussi le jeu en plus. Et d'ailleurs, on voit aussi là, dans le menu options, tout en bas, on a, si vous regardez bien, en dessous difficulté normale et temps de jeu 9h, en dessous, vous avez Battle Bonus Rewards. Donc ça va être des bonus pour gagner plus de thunes. Avec tes armes, je crois. Après, t'as Checkdown 1.0 et après équipement 1.0, liste 1.0. Et en fait, Checkdown, normalement, plus tu vas les affronter, plus 1.0 va augmenter en fait. Grosso merde. Ça va donner des bonus en fait. Donc ça, faudra le débloquer, je crois, peut-être avec des CP, je sais plus exactement. Donc voilà, je vais les dépenser maintenant, comme ça sera fait. Alors, on va pouvoir bien optimiser ces trucs. Bon, le cash il va vite partir de toute façon. Donc voilà, c'est des combats qui sont vraiment pas faciles à gérer. Bon, après, quand on joue pour soi, c'est un peu plus simple, on est plus concentré. Là, forcément, je suis en wakfu, donc c'est pas pareil.
Mais ça reste quand même des combats pas faciles. Enfin, tu les fais pas, genre t'as pas joué depuis au jeu depuis longtemps, tu te dis pas bon vas-y je vais me faire des Mister Checkdown en arrivant, tu vois. C'est faut reprendre en main le gameplay quand même avant d'aller les voir parce que sinon ça tourne mal, quoi. Voilà, bon, j'ai pas mal amélioré le mode Slugger, la prochaine fois j'améliorerai plus le mode Thug. Ou peut-être le troisième mode, parce que c'est vrai que. Enfin troisième style. Puisque pour l'instant, comme vous l'avez remarqué, on a que deux styles de combat encore. Alors qu'avec Kiryu, ça y est, normalement on a les trois. Si je me souviens. Ouais, on a les trois. Donc avec Majima, on va pas tarder à obtenir le troisième. Donc du coup, Iwao. Nous sommes au Iwao Bridge. On va rencontrer cette fameuse Ako-chan. C'est ici que je dois rencontrer Ako. Je n'ai plus qu'à attendre et espérer qu'elle me rejoigne. Anta ga Koro-san? No. Anta ga Ako-chan ka? Yo, kite kureta na, ookini. Merde, elle a monté sa garde. Elle me laisse tomber et je suis foutu. Je dois trouver un moyen de la mettre à l'aise. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, la glace est brisée. Hona, sassuku ya kedo. そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うちお腹減ってんねんけど。そしたら飯にしようか。何食いたいん？うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。 Aïe, je savais que je n'obtiendrais sûrement pas la faux gratuitement, mais bref, je dois faire ce qu'il faut, quitte à payer très cher. Yosha, hona sushi ya ni iko ka. Hona iko ka. Alors du coup, j'ai fait une petite erreur de trame. Enfin, je pense que j'avais peut-être dû corriger, parce qu'en fait, c'est un des termes que j'ai failli dégager, j'étais pas sûr de moi, c'est les fameux grants, pour en fait parler de 1000. Par exemple, quand, même par le passé, genre, quand Sagawa, dans une cinématique, il parlait du radis, là, le Daikon, il disait, ouais, un radis à 80 yens, finalement, c'est aussi bon, voire meilleur que du bœuf à 10 grants, ce genre de trucs. En fait, les grandes, c'est 1000. C'est genre 10 grandes, c'est 10 000. Et techniquement, soit dans les traductions, j'écrivais le chiffre complet, donc avec les zéros, soit je marquais 50 grandes. Ou des fois, je peux marquer 1000 aussi en français, mais c'est très très rare. Et en fait, il y a des moments, là, vous avez vu avec Aku, elle dit, c'est en gros, t'es un loser si t'as pas 50 000 grandes. Sauf que j'ai écrit 50 000 et grandes derrière. Alors j'aurais dû écrire 50 grandes ou 50 000. Mais pas besoin de marquer grande derrière, au pire j'aurais pu marquer 50 000 yens, tu vois. Bon, c'est une petite erreur que à la con j'ai fait, mais du coup voilà, c'est pour ça que par moment des fois il y a des grandes, des fois il y a autre chose, je savais pas trop quoi faire de ce côté-là. Parce que techniquement je pense que grande c'est un terme anglais qui n'existe pas en japonais, mais en même temps en japonais ils ont peut-être des termes aussi pour désigner des dizaines de milliers en fait. C'est pour ça que je me suis dit peut-être que finalement je vais le garder à la base. Mais bon, ça a jamais été très clair de ce côté-là, donc je fais un peu un mix des deux, quoi, grosso merde. Bon, c'est pas hyper utile, hein, une fois que t'as compris quelle est la valeur de la thune, c'est bon, quoi. Bref, allez, on va emmener, du coup, mademoiselle Ako au sushi.
さん、お寿司好き？ああ。うちめっちゃ好きやね。ウニとイクラは絶対食べんね。Et des fois, on a des petites phases de discussion avec elle, un petit peu comme avec Nishikiyama, avec Kiryu. En fait, elle dit ça parce qu'on marche lentement. Quoi. Mais ouais, toutes ces phrases, encore une fois, grosse galère à traduire parce que pas dans l'ordre et tout, à les retrouver, c'était une galère. Là, pour l'instant, ça va tout en français. De mon côté, j'avais fait le test, je crois que tout était en français, sauf sur la fin, il y avait des petits soucis que j'ai peut-être corrigés, mais il est possible qu'il reste des coups. Allez, on y est presque, on va accélérer. Elle a rien à dire, bizarre. Je pensais qu'elle allait dire on y est.何、2切りでしょう。ほな、1万くらいでお任せするわ。あと、今日のええとこ、お作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。よう。五郎さん、飲まへんの？一応、仕事中やからな。今はやめとこ。それより、アコちゃんの話、聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この間店、よう来るんか？ まあね、最近は割と毎日？毎日？なんや、そない乗るま厳しいんか。乗るま？そんなあるはずなんやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやの。いやいや、バイトっちゅうことは、つまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと、 女子大生に照れ倉で男捕まえさせて、その稼ぎをかっさらっとるらしいやんか。は？誠さんはそんな人とちゃうし。うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし。誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことは、あっこちゃん、売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、ほんまは取材なんて嘘で、 初めから嫌らしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああ、ちゃうって。そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあ、それが賢明やね。うちに何かあったら無事で済まへんから。あ？それは一体どういう。 Bon, évite de trop la brusquer. Bon, elle passera sûrement aux aveux après ce repas raffiné. お代はこちらになります。 Allez, zblé, 20 millions. Ça commence. Arigatou Mata, yoroshiku onegaishimasu. Gochisou-sama. Oh, on a iko ka. Sate, haragoshirai wa sunda na. Soshitara, sakki no hanashi no tsuzuki wo. Oh, uchi asoko ikitai. 今度はどこや？ゲーセン。ゲーセンって、ゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。しゃあな。 Allez, on va aller au Game Center qui est juste à côté. Alors du coup, cette petite Ako-chan va profiter de ces événements pour nous montrer des mini-jeux. Hein?
もっとちゃんと遊ばな。女の子にモテへんよ。気ぃつけるわ。Donc voilà, ça sera l'occasion en même temps de voir quelques mini-jeux de Yakuza 0 au passage. Le sushi, vraiment bon! Surtout l'ikura. Goro-san aussi en pense, non? Akko-chan, j'ai fait mon ikura en train de se faire. Je vais le manger. Parce que j'aime l'ikura beaucoup. Goro-san, grand, hein? Oui, oui.キャッチャー？なんやこれ？このボタンで中のクレーンを操作してな。ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか？何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやない。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうか、お金はうちが払うから、五郎さん代わりにやってや。うち、こういうの苦手やねん。あ？なんで俺が？誠さんのこと、聞きたいんとちゃうの？しゃあないな。ほな、一応やったるやないか。Allez, c'est parti. On va jouer au UFO Catcher, donc forcément, faudrait mieux qu'on gagne si on veut des infos sur Makoto Makimura, le chantage irréel. Donc c'est parti. Alors je sais pas trop ce qu'elle veut, mais on va essayer de choper les trucs, l'espèce de lézard devant. Je pense qu'ils sont assez faciles à choper, vu qu'ils ont une forme bizarre, ils peuvent s'accrocher plus facilement à la pince. On va tester.Oula, putain, genre, je chope les... Peut-être pas quand même, genre, le mec, il chope les trois. Déjà, deux, c'est énorme, hein. Gros coup de chance. Allez, hop, emballé, c'est pesé. Le king du UFO catcher, quoi. Hola, torta de. Kore ga hoshikatta yaro? Mecha ureshi! Goro-san, arigato! Hm, ma...ざっとこんなもんや。あ、それで牧村はんのことなんやけど。こないなところで立ち話すんの？どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。おな、出ようか。ほな、次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でビップルーム予約してん。うちな、一度でええからビップルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金を思って好き勝手にしてくれるな。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと話してあげるから。ほんまか？まあ、そう言われたら断れんな。ほら、行こうか。La discothèque de Shofukucho. Il doit y avoir un dress code. J'espère que cette tenue fera l'affaire. Allez, on va aller à la discothèque. Donc là, c'est vraiment une escroquerie en bande organisée. On nous fait croire que ceci, cela, et en fait, c'est le sushi. Après, c'est la salle d'arcade. すぐ取れる人初めて見たわ。あないなもちょろいもんやったで。時間あったら店中のぬいぐるみ取ってるわ。ほんま？ほんなら今度一緒に行くときもっといっぱい取ってな。任せてき。Donc ouais, on va au UFO catcher et puis maintenant discothèque. On se demande ce qui va être là, ce qui va nous attendre après. En plus, carré VIP, donc forcément on va devoir payer une blinde. C'est sympa.
Merci Ako. La pompe afrique est totale. Je ne te le répéterai pas, Binoclar, c'est notre spot, ça l'a toujours été. Dégage de mon terrain, gamin. T'es défoncé? J'ai l'œil sur ce pont depuis une plombe. Peu importe qui dansait ici avant, ton nom n'est pas écrit dessus. S'ils doivent se battre, est-ce qu'il est nécessaire de prendre tout le pont? Je dois aller en boîte. Ah, Majima! Enfin te voilà. Le vieux Komeki? Quoi, tu cherches toujours un endroit où on peut aller? Non, je fais juste ma promenade habituelle, parcourant ville. Parcourant la ville, je pense. Tu sembles perturbé. Bah ouais. Je dois traverser ce pont, mais ces crétins bloquent le passage. S'ils veulent se démonter la gueule, ça ne me dérange pas. J'aimerais juste qu'ils se dépêchent. Une baston? Connaissant leur rituel, je doute que les choses prennent une tournure aussi violente. Leur rituel? Quoi? Tu connais ces types? À en juger par leur tenue, ce sont des adeptes de la nouvelle breakdance, qui fascinent les jeunes ces jours-ci. Ils ont l'habitude de régler leurs différends en dansant. Danser pour affirmer sa domination? C'est quoi, une parade nuptiale? Comment tu veux te battre en dansant? Observe. Tiens, regarde. Ils commencent. Observe attentivement leur performance. Wow, c'était de la danse? J'ai jamais vu de mouvement aussi affûté. Je me demande si je peux en tirer quelque chose. On dirait que j'ai gagné. Ce pont était et demeure à jamais la propriété d'Arechiku. Bon, garde-le pour l'instant. Mais ce n'est pas terminé. Je vais m'entraîner et revenir tout défoncé. Oh, oh. On dirait que le garçon en survêt rouge a gagné. Quel spectacle, hein. Une façon surprenante d'établir la hiérarchie. Ouais, pas mal pour un spectacle de rue. Tu joues les timides, Majima? Comment ça? Les regarder danser a suscité quelque chose en toi, je me trompe? Il y avait une flamme dans ton regard, un brasier même. Tu as vraiment des yeux d'aigle. Bon, c'est vrai. Même si je doute de pouvoir mettre ça en pratique, c'est sûr. Heh, c'est une merveilleuse nouvelle. Une autre chose à prévoir lors de notre entraînement. Désolé, mais je suis au beau milieu d'un truc, là. Je comprends ton impatience, mais ça va me prendre un peu de temps, ça te va? Oh oh, tu es l'un de ces rancards avec une jeune fille, c'est ça? Tu es formidable dans beaucoup de domaines, à ce que je vois. Quoi? Non, je suis pas comme ça. Je te charrie, mon ami. Sinon, j'ai trouvé un bon endroit. Ashibata Park. Ashitaba... Attends, c'est Ashitaba ou Ashibata? Ou j'ai peut-être mal traduit pour le coup. Il me semble que c'est Ashibata Park. On va voir. Le parc, je vois. J'y ferai un saut quand j'aurai le temps. Et j'attendrai. J'aurai mon entraînement pour m'occuper d'ici là. A plus tard. Oh, faut que je vérifie. J'ai peut-être inversé les deux synapses. C'est possible. La foule se disperse. Dépêchons-nous d'aller en boîte avant que quelque chose d'autre n'arrive. Alors, je vais juste vérifier parce que là, ça me perturbe. Ashitaba Park. Ouais, c'est Ashitaba, pas Ashibata. Bah du coup, c'est moi qui dois le prononcer à l'envers, en fait. Autant pour moi. Ça arrive. Alors c'est vrai que oui, j'ai pas trop parlé du coup de Sotenbori des années 80, mais vous avez remarqué qu'il y a eu pas mal de changements au niveau de l'aménagement du canal, notamment. Par rapport à Yakuza 5 ou même Yakuza 2, puisqu'il y a des promenades qui ont été installées depuis. Alors que là, vous voyez que c'est en friche, en fait. Il y a quand même une petite coursive tout le long de chaque côté, mais c'est en friche, quoi. Il y a de la mauvaise herbe, il y a des grillages et tout.
c'est à moitié à l'abandon. Quoi. Alors qu'après, ça a été aménagé. Ça, c'est assez sympa, je trouve, de voir un peu l'évolution de la ville à travers ça. Donc voilà, du coup, allons à la discothèque. Alors, je sais pas si elle aura encore des choses à me dire. Je vais marcher, peut-être qu'elle va déclencher des trucs. Bon, elle a pas l'air bavarde, on va avancer plus vite. Bonjour monsieur, le prix d'entrée au carré VIP est de 30 000 yens, ouais. Et voilà. Ça commence à coûter cher. Merci monsieur, profitez bien de votre temps au Maharaja. Donc le Maharaja, c'est un mini-jeu. En gros, bon bah c'est, vous l'avez compris, c'est une discothèque. Et on va pouvoir danser. Donc c'est un mini-jeu unique à Yakuza 0, ce qui n'est nulle part ailleurs, même si dans Yakuza 5, évidemment, on pouvait danser avec Haruka notamment. Il y a aussi Shouen qui est de secondaire avec avec, comment il s'appelle, Akiyama, mais il me semble pas vous l'avoir fait. Je crois que je l'ai découvert par la suite sur YouTube, en fait. Je crois que je l'avais pas fait de mon côté. Donc voilà, bon, grosso merdo, c'était réservé à Haruka. Donc là, on va pouvoir redanser. Alors, c'est un peu différent par rapport à Haruka. Vous allez voir, le mini-jeu est assez différent, mais je vous expliquerai quand on va être dessus, quoi.言うても2人で来たってしゃあないやろが。来ないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか?それ意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して泊めてくれる子は滅多におらんし。おってもその子の親に追い返されるし。今のバイトで知りようたことかもおるけど、 普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし。せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつはそないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやから そないな人に会うた時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。あ?そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか?強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。 うち踊ってくる。なんや、ビップルーマもうええんか?ディスコに来たら、やっぱり踊らなそうやろ。うち、お酒飲めへんし。ふん、そういうとこはまだまだやな。Alors, petite précision, ce que j'ai dit, surtout que je ne bois pas et que lui, il dit t'es encore une gamine de ce côté-là, parce qu'elle a 20 ans, je crois. Et du coup, faut savoir qu'au Japon, alors je sais pas si c'est toujours le cas actuellement, parce que bon, là ça se passe forcément en 88, mais bon, en 2020, je sais pas où ça en est. Mais à l'époque, ouais, c'est, tu peux pas boire avant tes 21 ans, je crois, mais bon, donc c'est pour ça. Donc du coup, bah allons danser. ちょっと話してな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ、片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。 何? うちに一体何の用や? とぼけても無駄やで! この前の礼 させてもらおう思てな! 俺に散々怒らせた挙句 そろそろホテルに行く頃やっちゅう時に ごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな! あんたが悪いんやろ? うち見たんやで! あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの! そんな男についてくはずないやん! なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら読んでも構わへんで。その代わり
こっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでも言えや。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のお守りなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと？ディスコ言うたら踊る場所やろな。女ナンパしたいんやったらドンスでええとこ見せたらええよな。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。 Parfait, j'espère avoir une chance d'essayer cette connerie de breakdance et j'ai vu que j'ai vu sur le coup. おもて出ろや。Ah, du coup, on va pas danser, on va d'abord break danser. C'est pas tout à fait pareil. Itemo daru. Allez, du coup, on va switcher donc sur le troisième style de combat, le Breaker Style. Et c'est parti, on va faire le show. Là, vous allez voir, c'est un autre délire. Allez, c'est Tipa. Je fais une démo. Attention, calme-toi, t'es les cheveux. Allez, c'est parti. Putain, fumier. Laisse-moi mettre des coups. Mais il est chaud, lui. Voilà le genre de truc qu'on peut faire en mode breakdance. Autant vous dire que c'est énorme. Donc ça fait... c'est vraiment pratique, ce style de combat, pour faire des dégâts à plein d'ennemis en même temps. Après, faut bien comprendre que ça fait pas énormément de dégâts, ce style, mais ça permet d'en stun beaucoup en même temps, donc quand t'as des vagues d'ennemis, c'est plutôt pratique comme style de combat. Puis bon, après, c'est cool aussi, dans l'idée. Mais voilà, on n'est pas invulnérable en fait quand on fait ce genre de coup, donc une bonne patate peut nous mettre KO, donc faut faire gaffe. Putain, mais il est chaud, lui. Il va me laisser le frapper ou quoi? Mais il est sérieux, lui. Eh mais what the fuck. Attends, je vais mettre un coup de pied dans la gueule. Viens par là. Allez, dégage. Putain, mais what, quoi. Le mec, il voulait pas m'en laisser placer une. Goro-san, sugoi. Mecha ikasu. Ma, zatto konna mon, ya. Zeya kedo, 男を出しにして金稼ぐのほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。呼んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなんか。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか。そしたらそこ行ったら本人に会えるやろうか。多分な。Makoto Makimura, je t'ai enfin chopé. Ako-chan, 今日は大きいな。ほんまに助かったわ。ほな。こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さんええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。分かってる分かってる。せやけどほんま信頼しとるんやな、牧村はんのこと。そらそうやん。あの人おらんかったらうちも今頃どうなってたか分からへんもん。そらさすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし。うちらにとってほんま神様みたいな人やね。
花江英人疑ったらバチ当たるわ。ふーん。あ、でもただ一つだけ、誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ？うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんからなんか頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどな。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん、そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれでバイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。Bon, je sais où est Makoto Makimura en ce moment, mais ça ne colle pas. Il n'a rien à voir avec la façon dont Sagawa l'a décrit. Comment un fumier qui exploite des femmes pour de l'argent peut-il devenir un saint sauveur? Et c'est quoi le truc avec ce tatouage de chauve-souris? Peu importe. Saint ou fumier, je tue Makimura, c'est le boulot. Il devrait être à Ogushi Kakan sur Shofukushu Sof. Je vais en finir avec ça ce soir. Allez au salon, Ogushi Kaikan. Donc ça va être notre objectif. Donc ouais, très curieux, hein, la version de Sagawa ne colle pas du tout. C'est un proxénète qui tabasse ses filles si elles veulent arrêter de faire le taf et récupère tout le pognon. Et là, bizarrement, c'est le saint sauveur de toutes les filles en détresse. Donc il y a clairement un problème de version, c'est pas cohérent. Donc est-ce que c'était juste pour nous faire plus passer la pilule en disant mec, c'est une crapule, au pire si tu le butes il manquera à personne. Peut-être, supposition. Mais voilà, et puis apparemment il sera à la recherche d'une personne ayant un tatouage de chauve-souris, ce qui explique du coup pourquoi Ako-chan au téléphone avant qu'on la rencontre en vrai nous demandait si on avait des tatouages. Elle disait qu'elle c'était une artiste ou quel genre de connerie. Enfin, au final c'était juste pour savoir si c'était cette fameuse personne qui a un tatouage de chauve-souris. Donc on sait pas pourquoi il cherche cette personne-là, mais en tout cas, voilà. Faut garder ça en mémoire pour plus tard. Hé, lunettes de soleil. Qui? Non, tu es ce gars de sur Iwao Bridge qui a battu le grand mec avec son breakdance. Ou je ne sais quoi. Boum, fils, je l'ai senti. Hein? Pourquoi tu t'excites? Ce battle était ouf, yo, c'est triste ce que t'as fait, j'ai adoré. Je pensais avoir tout vu sur ce Tenmori, mais tes compétences sont énormes. Oh, c'est de ça que tu parles? Écoute, j'ai juste essayé quelques trucs au hasard. C'est rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes, mec? C'était inattendu pour moi. Un message divin. Tu dois rejoindre mon crew. On te veut. Ton crew? Ouais, Areshi Crew. Si tu nous rejoignais, nous serions les rois de ce Tenmori. Ça, c'est clair. Areshi, c'est notre blaze, et Areshi, c'est mon nom. Alors bienvenue à bord, gros. T'es timbré? Pourquoi perdre mon temps à jouer avec toi et tes amis? Va trouver quelqu'un d'autre. Je ne joue pas, gros. Moi et mon crew, on est là pour de vrai. Je me bute tous les jours. On va s'emparer de cette ville, puis du Japon, puis du monde, tu me suis? Ouais, génial. Et comment tu comptes conquérir le monde? En dansant sur le trottoir? Chier. Eh, hey, beaucoup de gens passent par Sotenbori, les grosses pointures de l'entertainment doivent en faire partie, non? T'attires l'attention d'un de ces types, et qui sait? C'est pas impossible à y repenser. J'ai plein de gars comme ça qui viennent dans mon club chaque nuit. Donc, si je veux me faire remarquer par les gros poissons, je dois être un maximum dehors, plus que n'importe qui d'autre. En faisant ça, voir mon cul passer à la télé est tout à fait possible. C'est un sacré plan. Et qu'est-ce que je fous là-dedans exactement? Ça m'a frappé pendant que je regardais ton battle, gros. Prends tes gestes de ouf, on va écraser tous les autres crews d'Osaka. Avec. J'ai déjà des idées pour plein de nouveaux mouvements.
Avec ça sous le coude, tu seras imparable, mon frère. La danse m'importe peu, mais je suis assez curieux de voir jusqu'où je peux aller avec ce style de combat. Et puis, pas besoin de me donner de réponse maintenant. Je te laisse y réfléchir. On s'entraîne derrière Shofukucho West. Quand tu auras fait le bon choix, viens nous voir. Cool. D'accord, c'est bon. Shofukucho West, hein. Peut-être que je passerai. Mais ne te fais pas trop d'illusions, hein. Sinon, je m'appelle Majima. Majima-san, classe. On t'attendra. Il faut que tu viennes un jour ou l'autre. Allez. Du coup, direction le salon de massage du Oguchi Kaken, hein, il s'appelle comme ça. Alors attends. Ouais, il y a une petite cabine téléphonique là-bas. Donc c'est là apparemment où serait Makoto Makimura, qui à ses heures perdues serait chiropracteur apparemment, donc qui pratique les aiguilles et tout là, hein, tout ce qui est massage et compagnie. Donc on aura l'occasion de voir ça dans la vidéo suivante, hein, vous en doutez bien, puisque là, ça va être très intéressant ce qui va se passer par la suite. Il va y avoir un sacré bouleversement de situation et tous les événements vont s'enchaîner. Donc autant vous dire que là, pour l'instant, on va sauvegarder et on va s'arrêter là pour cette vidéo, puisque la prochaine vidéo, ça sera vraiment concentré là-dessus. Il y aura pas mal de cinématiques, de combats épiques. Ça sera assez linéaire, en fait, on sera plus trop libre de se déplacer dans la rue pendant un certain temps. Tout va s'enchaîner. Donc c'est pour ça que je préfère garder ça sur la prochaine vidéo, quitte à que celle-ci soit peut-être un poil plus courte que d'habitude. Mais j'ai pas trop le choix, si ce n'est après de couper en plein combat de boss, c'est un peu con quoi. Vous en doutez bien de ce côté-là. Donc en tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, et on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !